Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube, de nouveau mon Rose Mouni. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons simplement parler des raisons pour lesquelles nous vieillissons trop vite. Hein? Quels sont les aliments qui accélèrent le vieillissement? Que faites-vous dans votre routine quotidienne qui vous donne 10 ans, 15 ans, voire 20 ans de plus que l'âge que vous avez réellement? Mes amours, si jamais vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, commentez, mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux. Bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification pour avoir à chaque fois mes notifications. Autant il y a des aliments qui aident à rester plus jeune, ce dont on parle tout le temps, sachez qu'il y a des aliments qui nous aident à vieillir plus vite, ce dont on ne parle vraiment jamais. Rester jeune, surtout le plus longtemps possible, n'est-ce pas? Oubliez donc les crèmes anti-âge et autres produits cosmétiques. Misez plutôt sur une habitude alimentaire saine, équilibrée. En effet, certains aliments, bien qu'ils soient indispensables au quotidien, peuvent gravement nuire à votre santé. Mais également, ils font vieillir avant l'âge. Si vous les évitez, ou tout au moins modérez leur consommation, vous resterez toujours en bonne santé. Et aussi, vous ralentirez votre vieillissement accéléré. Les cafés, les viandes grillées, les sels, sucre, alcool. Oui, ici dans cette nouvelle vidéo, je vais simplement pointer du doigt quelques aliments qui accentuent les signes du vieillissement. Donc, les rides, les fatigues favorisent les maladies liées à l'âge. Par exemple, le cholestérol, le diabète, hein, l'Alzheimer, toutes ces choses-là. Donc, sans plus tarder, on y va. Notre number one, oui, celui qui gagne la place number one, c'est le café. Sachez qu'une bonne tasse de café fait du bien en début de journée, n'est-ce pas, mes chéris? Mais sachez qu'à forte dose, ceci peut vous fatiguer très vite. En cas de surconsommation régulière, hein, la caféine accélère le battement du cœur. Et cet organe, lorsqu'il bat plus vite que la normale, se fatigue plus rapidement en diminuant l'espérance de vie. Il convient donc de diminuer vos doses. Pas plus qu'une tasse de café par jour. Ou même d'alterner avec les chocolats chauds, le lait, les jus de fruits. Il y a plein de trucs. Hein, mes chéris, s'il vous plaît. En numéro 2, nous avons le sel. Juste une pincée de sel ne vous fera pas de mal. Sinon, gars, aux rides. Vous les filles, c'est nous qui empoisonnons nos maris. Lorsque vous mangez beaucoup de sel, lorsque nous les donnons beaucoup de sel, sachez que notre corps se déshydrate. Quand vous avez un corps déshydraté, vous vous fatiguez très vite. Les tissus de votre peau s'altèrent. Et bien sûr, ceci va entraîner tout simplement le vieillissement du derme et particulièrement autour des yeux. Voilà pourquoi lorsque vous mangez trop salé, il est recommandé de boire beaucoup d'eau pour compenser cela. Celui qui gagne la place number 3 ici, c'est le sucre. Pour ne pas vieillir avant l'âge, mes amours, modérez votre consommation en sucre. Pour ce qui est des bonbons, des confitures, des desserts trop sucrés, des gâteaux trop sucrés. Mes amours, il ne faut simplement pas en abuser si vous voulez rester jeune plus longtemps. Celui qui gagne la place number 4, numéro 4, c'est simplement le blé. Le blé est un aliment que vous devez consommer, mes amours, oui. Mais avec modération pour ne pas vieillir prématurément. Lorsqu'il est cuit au four, il augmente le taux de sucre dans votre organisme. Ce qui n'est pas du tout bon pour votre santé, comme on a parlé tout à l'heure, car ça accélère le vieillissement. Alors, bannissez de votre alimentation les menus fast-food, les pains, les pâtisseries pour rester en forme. Ceci ne nuira pas à votre organisme, je vous promets. En numéro 5, l'alcool. Oui, je touche à l'intouchable, n'est-ce pas? Sachez donc que l'alcool peut causer des dégénérescences internes et même externes. La preuve, lorsque vous réveillez le matin, après une soirée bien arrosée, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez par vous-même les effets.
ceux qui sont accro au vodka et tout le reste, vos pulsions maladives pour la vodka, les vins. Vous risquez de paraître 5 à 10 ans plus vieux ou plus vieille que votre âge. Donc, modérez la consommation des boissons alcooliques. Ne buvez pas plus d'un verre par jour, mes chéris. Même plus d'un verre par jour, c'est déjà beaucoup. En numéro 6, l'eau. Vous allez dire quoi? What the fuck? Non, j'ai dit l'eau. Écoutez, l'eau du robinet peut vieillir très vite, peut vous faire vieillir très vite. En fait, ce sont des nitrates qui en sont responsables. Ces derniers activent simplement la dégradation des tissus, dont le vieillissement de votre derme. Du jour au lendemain, vous aurez l'air 10 ans plus vieille que vous n'en êtes en réalité. Pour éviter ça, vous pouvez filtrer l'eau avant de boire ou la remplacer par l'eau minérale qui est largement moins contaminée par les nitrates. Numéro 7, nous avons le maïs. Les aliments à base de maïs peuvent simplement accélérer l'apparition de certains signes de l'âge en raison de leur forte teneur en acides gras, comme le blé. Il rejoint le blé celui-ci. Il augmente le taux de sucre dans le sang. Ce qui est pire, c'est que de nombreux aliments contiennent du maïs sans que vous ne vous en aperceviez. Ils sont présents dans les boissons rafraîchissantes, les plats préparés, les sauces, les assaisonnements. S'ils sont consommés en trop grande quantité, peuvent nuire simplement à votre santé. Le numéro 8. Ici, c'est ça. En numéro 8, nous avons ici les fromages. Les fromages renferment beaucoup de calcium. Il faut en manger. Le calcium, c'est bon pour les os, mais avec parcimonie. Si vous ne voulez pas nuire à votre capital jeunesse, sachez qu'il contient des acides gras qui peuvent entraîner des maladies liées à l'âge, comme les accidents cardiovasculaires, AVC. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir de votre alimentation les fromages. Seulement, vous devez limiter le nombre de morceaux à ingurgiter, surtout si vous avez l'habitude d'en manger fréquemment. Ici, je parle à mes amis hollandais. Hein? Petit déjeuner, déjeuner, dîner, goûter, fromage. En numéro 9, nous avons les viandes grillées. Qui n'aime pas les viandes grillées? Oui. Les viandes grillées vous exposent à des risques de vieillissement très accélérés lorsque la viande est trop cuite, particulièrement carbonisée. Elle n'est pas comestible car elle libère des toxines qui entraînent l'altération des cellules et dont la dégénérescence de votre peau. Par ailleurs, vous devrez aussi faire attention aux cacahuètes, aux amandes grillées en vente dans les grandes surfaces car cela peut gravement altérer les tissus de votre peau. Notre dernier, même s'il y en a plein d'autres, hein, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Le tout dernier, ici, que j'ai dégorté, l'olestra. L'olestra est un allié minceur qui fait des miracles sur votre ligne, mais pas sur votre santé. Ce substitut alimentaire se nourrit de vos ressources nutritionnelles et les épuise, puisque son action est de réduire la teneur en graisse, en calories. C'est ainsi qu'il fait perdre des kilos. Et pourtant, la consommation non effrénée est simplement désastreuse sur la quantité de nutriments nécessaires à votre organisme. Ainsi, si vous voulez rester jeune et en bonne santé, oubliez l'olestra. Donc, voilà mes amours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et sachez que je vous porte dans mon cœur. Bisous bisous.